la mise à jour du logiciel, qui ne va pas trop tarder, j'espère, parce que ça va débloquer pas mal de trucs et corriger certains bugs en fait. Change expression. Par contre, j'espère qu'ils feront pas trop de changements radicaux. C'est bon. Non, c'est pas ça que je veux faire. Pour faire ce genre de jeu, il est très pratique. J'ai beau m'y connaître en code, c'est pas donné à tout le monde, et celui-ci aide pas mal de gens. Il y a plein de tutoriels au cas où il faut utiliser du code. Et ils ont déjà des petites balises de code tout préfaites. Donc c'est très bien fait. Du texte simple sera suffisant. Bruit de chute, j'ai ça normalement. Pour l'instant, on mettra ça, on changera après. On enregistre. Bruit de texte. Ça, j'en ai pas besoin. Hein.
Changement de background. Faudra que je fasse le couloir aussi. Changement de background. Ah oui, mais je crois que j'ai pas encore la troisième chambre de prête. Non. Bon, c'est pas grave. On met ça en attendant. Et on ajoute une image temporaire. Je vais vérifier un truc après. Ce sera un changement de background aussi. Preview. Oula, ça c'est un peu petit ça. Oh, quoique finalement le bruit fonctionne bien. Ok. Allez, ça recommence. Voilà, alors.
Ensuite, ah oui. Pour ça que c'est passé. Quoique c'est bon à savoir, ça. Enfin, soit. La suite. Join scene. Lucas. Oui, mais d'abord tu changes d'expression. Pyjama. Est-ce qu'il y en a un où il a les yeux fermés? Son cul. Ah, j'y crois. J'ai pas pensé à lui faire les yeux fermés. Bon, en attendant, je vais mettre celle-là. Ah non, c'est à tirer le script. Ça fonctionnera comme ça en attendant. Ok, à bientôt, Cyandrelle.